Juste là, moi je trouve ça génial, c'est excellent, c'est extrêmement simple, je trouve ça génial. On se met par groupe de deux ou de trois, très bien. On fait une pause, et entre la pause, Jennifer qui dit « Bon, qui c'est qui a un vrai problème à régler ?» Puisque c'était aussi simple que ça, moi ! Moi, j'ai un vrai problème à régler. Et là, en effet, c'est très très dur à ce moment-là, professionnellement, j'ai une situation, pas de persécution, mais en tout cas, quelqu'un qui est très très dans le détail, alors que moi je suis plus dans le global, et qui me harcèle sur ce détail, et j'arrive pas à m'en dépêtrer. Et donc, je fais... finalement, je pense que je suis en train de... Et là-dessus, Jennifer me dit, ok, alors ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que se passe? Alors, j'aimerais que ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, c'est comme quoi? C'est comme ça. Vous voyez que j'ai quand même une sacrée plume. Hein. Une vocation, je vais passer à côté. Ça, c'est quand ça se passe bien. Entre la personne et moi. Mais c'était l'objectif visé, c'est que ça se passe bien. Mais c'est professionnel. Et c'est professionnel. Oui, oui, c'est entièrement professionnel. Et si t'es pas sûr, je dois te remercier tout de suite. Et puis il y a OK. Et quand ça se passe pas bien, c'est comme quoi? Et ça donne ça. Donc on voit en effet une personne qui a un pistolet qui est en train de me tirer dessus et moi je suis dans une position de chien. Ah, je faisais un petit crochet. Toutes les séances, ou presque, en tout cas, peuvent commencer par et qu'est-ce que tu aimerais que se passe? Une fois, deux fois, mais à chaque fois. À chaque fois, c'est comme ça. Bon, alors, je passe un petit peu sur les détails. Il se trouve que je cherche à un moment donné, pour me dépêtrer de ça, une forme d'encouragement. J'écris que j'ai besoin d'un encouragement. Je l'écris, je le répète. Ça aussi, c'est important, on change de canal pour aller chercher, activer ailleurs. Et voilà, et pardon, je me perds dans mes notes. Ok, et je trouve de l'encouragement, et qu'est-ce qui se passe juste après? Alors j'ai la force, j'ai le courage. Et là, Jennifer me dit, et cette force est comme quoi pour toi? Et là, à ce moment-là, il y a 30 élèves, je suis en larmes devant un groupe de 30 élèves, en clean avec Jennifer, je suis obsédé par mon dessin. Très joli dessin qui est là-bas, je ne quitte pas des yeux. Et là, je comprends, il est où? Et là, je dis, ok, et je ne l'ai pas. Et là, et cette force est comme quoi pour toi? Et là, je réponds, très naturellement, un aigle royal. Oh, right. Et là, je sens, c'est très rigolo parce que physiquement, je sens la transformation. C'était bluffant pour moi parce que j'avais vu plusieurs ateliers. Je suis maintenant en respirant plus lentement, ça se calme. Yes, stay bien. Stay with us. Et là, je sens, voilà, il y a cet aigle royal qui apparaît, qui est une véritable émergence. Et je sens que physiquement, moi-même, je change complètement. Je sens tout le groupe autour de moi qui. Et la séance continue, et en fait, quand l'aigle royal arrive, on revisite les relations avec la dame qui est là-bas, avec le pistolet, avec le chien se relève, l'aigle royal se pose sur l'épaule, et mon problème se dissout. Ouais, c'est qu'en ce court, 15 minutes, on est sur un format de démonstration. Et quand tout ça, quelle est la première chose que tu sais? On appelle ça, on appelle ça un download. Ça se résume à 6 questions, la même question qu'on répète 6 fois à la fin. Et quand tout ça, tout ce qui vient d'être dit, tout ce qui a émergé pendant cette séance, qu'est-ce que tu sais maintenant? Et quelle est la première chose que tu sais maintenant? Et la deuxième? Et on pose la même question 6 fois. Voilà, ça c'est le download, et qui nous permet effectivement de savoir ce qu'on sait après tout ce qui a émergé. Et les informations continuent d'émerger, effectivement, au fur et à mesure qu'on répond à ces questions. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe? C'est intéressant de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans l'air du décor. Je vais présenter quelques éléments
rapidement et sans prétention, parce que je ne suis pas un expert absolu du domaine. La première chose, c'est qu'il y a métaphore et métaphore. C'est la grande différence entre clean et... parce que je parlais de ça, je présentais la séquence à un ami récemment, et qui me dit, mais, ah mais oui, mais c'est comme l'hypnose ton truc. Non, non, c'est pas un aigle royal, ça voulait dire quelque chose pour moi, en février 2010, à ce moment-là, aujourd'hui ça ne veut plus dire forcément, voilà, ça ne veut plus dire la même chose, et c'est quelque chose qui vient de moi. Quand, et si ça trouve, un aigle royal pour toi, c'est bullshit, ça n'a aucune vertu. Moi c'était lié à un sentiment de sécurité intérieure, et pour toi ça ne veut peut-être rien dire. Donc c'est vraiment entre l'hypnose qui est, entre guillemets, injectée par l'hypnose, la métaphore injectée par un hypnothérapeute et celle qui émerge en séance de clean, c'est pas du tout la même fonction. Je vais vous repasser des choses du. Mais vous me direz si c'est OK ou pas. Ici, ce qu'on a, ce qui est sur cette petite carte, je vais la remettre ici parce que ça sera peut-être plus simple. Je ne sais pas si c'est, ça va tenir, pas forcément. Là-haut, papier ou pas ? Ouais. Là-haut, ici, on a des symboles, et on a des relations entre les symboles, et ça forme donc un paysage. Exact, un paysage commun. Métaphorique. Voilà, je comprends. Donc ça forme un paysage métaphorique. Moi, dans ma tête, ça résonne un peu comme un système. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, il y a des relations entre les éléments. Et ce qui se passe, c'est qu'on a donc, à un moment donné, un aigle royal qui apparaît. Ça, c'est un symbole particulier, c'est un symbole... Oui, c'est ça. Ça va être un symbole ressource. Ressource. C'est quoi un symbole ressource, Philippe? C'est donc un symbole qui va avoir une valeur, une utilité ou une vertu positive, bienfaisante et vertueuse. Et à partir de là, comme ça formait un premier paysage métaphorique et un premier système dans mon langage à moi. Ici, j'ai un nouvel élément dans le système, et à travers là, je vais revisiter les relations et revisiter l'influence de ces symboles ressources sur le paysage métaphorique. Et je redéveloppe le paysage métaphorique, en particulier avec les questions de... Alors, il va y avoir les questions de relations, pour vérifier si ce symbole-là a une relation avec un autre. Et puis, et qu'en règle royale, qu'est-ce qui se passe avec chien? C'est-à-dire qu'on va vérifier, voilà, l'influence que le symbole a sur notre symbole. Alors, tout ça, c'est bien beau, les métaphores, c'est joli, mais pourquoi des métaphores? On pourrait s'intéresser à 10 000 choses. Pourquoi les métaphores? Parce que c'est isomorphique. Donc, les métaphores qui sont produites sont une synthèse de l'expérience personnelle avec les émotions liées avec, des émotions. Voilà, en particulier en 2010, c'était vraiment très très émouvant pour moi. Et donc c'est isomorphe, c'est-à-dire ce qui se passe ici, quand je travaille sur ce paysage métaphorique, change quelque chose ici, dans ma réalité vécue. Ça va changer mes perceptions, ma perception de moi, mes émotions, et à partir de là, mes comportements, mes capacités d'action. Ça a changé tes actions, et dans cette situation-là, avec la... Dans cette séance de démo avec Jennifer, ça a changé quoi? Fait que l'aigle royal est venu. Quelle action dans le monde? Parce que tu as parlé d'une situation avec dans le travail, au niveau du travail. Est-ce que ça a changé quelque chose après? Eh bien, sans que je me pose la question, lorsque je suis revenu au bureau le lundi d'après, j'ai proposé un entretien avec la personne avec qui ça n'allait pas bien, avec mon boss, avec son boss. Et là, j'y suis allé sans problème en disant c'est fini. On arrête. On arrête ça, sinon c'est moi maintenant qui vais faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Ça s'est arrêté, et bon, est-ce que c'est lié ou pas? 3 à 6 mois plus tard, là, dans ma question, j'ai changé de poste pour aller faire autre chose. Est-ce que c'est lié? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la victime avait disparu. Yes, la victime avait disparu. Ouais. C'est ça que ça se passe. Et c'est vrai que je... C'est, voilà, c'est ça posture, c'est un changement de posture. Ça a vraiment, ça, entre guillemets, tout changé. C'était plus possible, je ne pouvais plus être victime. Et là, j'étais prêt à me battre, RH, machin truc, les courriers, les dossiers, tout. Ce que tu as appris avec ces questions clés, est-ce que tu l'utilises aussi dans le monde du travail et dans tes relations
Est-ce que c'est juste pour toi ou... Alors, le projet qui était consécutif à ça, c'était un projet en effet de, d'aller vers une activité traditionnelle de coach sur laquelle pour l'instant j'ai merveilleusement pas réussi. Mais ça va venir. Ça n'est que partie remise. C'est quel genre de partie ? Mais c'est, la question c'est, est-ce que tu utilises les questions ? Oui. C'était... Pendant le temps du travail. Oui. Et en effet, alors, j'ai eu plusieurs discussions avec certaines personnes, et c'est pour ça qu'il y a un atelier de Bougénat demain sur qui est dans l'entreprise qui m'intéresse potentiellement. J'en ai parlé en particulier avec Jennifer. Toutes les questions, Philippe, les questions de Clean, tu vas être un peu sous le feu de la rampe. Hein. Quelle rampe ? Je voulais que ça soit discret. Oui, mais après tu peux faire un signe par exemple et puis je trouverai quelqu'un d'autre pour jouer. J'en ai parlé avec Jennifer m'a dit mais tout simplement enlève le et devant toutes les questions presque, clean, commence par et, petit ralentissement et on joue avec le ton. Alors la vitesse des questions est très importante, le ton de la voix est très important, la manière dont on va marquer certains mots ou pas est très importante. Tu découvriras ça, je pense, dans les 48 heures qui démarrent là. Et Jennifer me dit, mais t'ennuies pas, enlève le « et » devant et fais-le sur le même rythme que les autres. Hein. Et tu passeras inaperçu. Je dis, ok. Non, je sais plus, et l'autre jour, je vois un gars qui débarque dans mon bureau. Oui, Jean-Pierre, j'ai un problème de serveur. Je dis, ok, c'est quel genre de problème ? Il dit, oui, il ne redémarre pas, machin, truc. Et tout. Je dis, ok, qu'est-ce qui va se passer pour qu'il redémarre ? Ah ben, il faut faire ça et ça. Je dis, ok, ben, vas-y. Donc je suis revenu sur quelque chose qui n'est pas du tout. Alors c'est pas le même registre hein, puisque quand on est dans une session clean, on est dans un léger état de transe, léger, parce qu'en général on est un peu obsédé par son dessin et on est en complète connexion avec ce dessin-là. Il se passe quelque chose puisque ce processus-là est psychoactif et que ça se passe quand ça se passe. Donc les deux questions que j'utilise beaucoup et de manière très anodine ok, quelqu'un qui me dit, ah mais ça Jean-Pierre c'est pas possible, ok, et qu'est-ce qui doit se passer pour que ça soit possible ? Très simple, ah oui mais là j'ai un problème, j'ai un truc, ok, et d'où pourrait venir la solution ? Ah il faut que je demande, je dis ok, vas-y, fais-le. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le logo de Nike en dessous ? Just do it. Ok, vas-y. Je maquille un peu les questions, je les réutilise aujourd'hui dans le quotidien. Okay. C'est vachement bien parce que, en plus, en tant que manager ou gestionnaire de projet, je ne suis pas en train de me poser la question de trouver la solution à la place de la personne qui connaît mieux le problème que moi. Mm-hmm. Yeah. Fais émerger la solution, j'accompagne la personne, je vérifie si elle a besoin de quelque chose d'autre pour réussir, j'énumère les conditions, et hop, roule ma poule. Very nice. Exercise. Donc j'ai deux questions qui sont assez proches et vous allez voir quelle est celle qui a le plus d'effet sur vous, celle à laquelle, pour laquelle la réponse est la plus immédiate. Donc je vais vous poser deux questions. Je vais vous inviter après à vous mettre par deux si on a le temps, je sais pas, au moins voilà. Et la première question c'est être au top de la vitalité. C'est comme quoi pour vous ? On fait un dessin ? Et faites un dessin. L'autre possibilité, sinon, c'est quand vous êtes au top de la vitalité, vous êtes comme quoi ? Ici, la distance de Philippe est là. Vous pouvez exercer une attitude, de localisation et de relation. Celui-là, ça c'était. Il a encore.